nous sommes réunis ici pour vous présenter la dernière exposition de l'atelier « Il était une fois Gagnac ». Donc elle synthétise toutes les expositions des années 2014 à 2018. Et ce soir, on vous présente donc 180 panneaux et donc 32 panneaux des écoles de Gagnac et de l'Espinasse. Donc nous sommes heureux du monde que nous pouvons accueillir chaque année lors de ces commémorations. Nous avons beaucoup de personnes intéressées, surtout par les recherches généalogiques. Cette année, en plus pour ce centenaire, nous allons faire au cimetière de Gagnac sur Garonne une commémoration pour les soldats qui sont revenus du front et qui sont enterrés dans notre cimetière. Bon ben voilà, bienvenue. Nous sommes donc cette année à la nouvelle et dernière exposition sur l'année 14-18. Bien évidemment, on va commencer par un premier panneau qu'on va nommer Armistice et Paix. Donc vous avez ici le journal là qui donne le journal d'époque. Ici, le wagon où a été signé l'armistice, le clairon qui a signé le cessez-le-feu, et donc un élément mécanisé qui est arrivé donc dans cette période, qui est le char Renault, qui a été très utilisé et qui a permis d'avancer, d'aller vers la victoire. Merci la mairie pour tous les moyens techniques et humains qu'elle nous a offerts pour mettre en place toutes ces expositions. Nous travaillons aussi en collaboration avec les mairies de proximité parce que, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de panneaux. Donc il y a les mairies de Font-Beauzard et de l'Espinasse qui nous ont soutenus par des prêts de grilles.